Je me nomme Thérèse Guilmette. Je me nomme Normand Brault. Normand et moi, on est ensemble depuis plus de 40 ans. Et on a réussi deux belles choses avec nos trois enfants puis Opération Père Noël. Et j'étais chef de service dans un foyer de groupe pour des enfants. Et je reçois un appel. L'intervenante me dit « Normand, ça va vraiment pas. Marie-Ève, elle est en crise. Je n'arrive pas à la contrôler. Le Père Noël, là, il pourra pas me donner mes cadeaux cette année. Il sait pas que je suis ici. » Alors, dit « Fais écrire des lettres aux enfants. On va donner les lettres aux gens de la famille. » Et c'est comme ça qu'Opération Père Noël a commencé. Cher Père Noël, je m'appelle Mathis. J'ai 9 ans. Cher Père Noël, je m'appelle Fedenaïka. J'ai 10 ans. C'est une fondation qui permet à des enfants qui vivent dans des familles très défavorisées et qui sont à haut risque de ne pas recevoir de cadeaux à Noël, de recevoir un cadeau. Hey, les gros, t'as le cas. Thérèse et Normand, les deux, là, c'est vraiment des personnes de cœur. Ils ont dédié toute leur vie aux enfants. Jusqu'à 2500 enfants, on a fait ça chez nous. La première année, on a aidé 29 enfants. Et cette année, c'est sûr qu'on dépasse le 16 000. Ils sont toujours dans l'ombre. Juste l'an passé, ils ont aidé 15 500 enfants démunis. Et ça, c'est exceptionnel. Les gens me demandent « Tu crois-tu au Père Noël? » Puis, ben oui, je crois au Père Noël. Le Père Noël, il existe, voyons donc. C'est juste un cadeau de Noël, mais c'est bien plus que ça. C'est un bon. Mon beau sapin, roi des forêts, que jamais t'as verdugue.